Sont-ils appelés le siècle des Lumières? Parce qu'on a inventé l'ampoule. S'il vous plaît. Oui, Clara. Parce que nous sortons de la période d'obscurantisme du Moyen-Âge. Voilà, il y en a au moins une qui suit. Lumière, virgule, symbolisée par la métaphore du passage de l'obscurité à la lumière, virgule. Elle s'appuie sur une réflexion libre. Elle s'appuie au pluriel, hein, sur une réflexion libre, virgule, éclairée par la raison, point. Éclairée par la raison, point. Les penseurs imaginent d'autres formes de régime politique, d'autres formes de régime politique au pluriel, s'il vous plaît. Et les scientifiques percent de nombreux secrets de l'univers, point. Les penseurs imaginent d'autres formes de régime politique et les scientifiques percent de nombreux secrets de l'univers. Voilà, je vais vous dicter le plan du cours, vous prenez en note. Alors, grand 1, d'où vient ce courant de pensée, point d'interrogation. Grand 1, d'où vient ce courant de pensée, point d'interrogation. Petit 1, qu'est-ce que l'encyclopédie? Petit 2, je vous ferai une courte biographie de Monsieur Denis Diderot. Diderot, D-I-D-E-R-O-T. Grand 2, le temps des philosophes et des scientifiques. Petit 1, que souhaitent les philosophes? Est-ce que vous avez des questions sur l'introduction ?
Ok, on passe à table bientôt. Il y a vendredi soir, il y a Tata qui arrive avec tes petits cousins. Je t'avais dit qu'on ferait peut-être une sortie à la journée. Je pensais aller à Océanopolis. On partirait samedi matin. Faudrait que tu me dises si tu veux venir avec nous. Et tu t'es pas loupée quand même, hein. Faut que tu fasses attention, Clara. Mais c'est rien, je suis tombée. Et écoute, tu réfléchis. Et puis tu me dis si tu veux venir avec nous samedi. Tu me dis ça demain matin avant d'aller au collège, vraiment. Pour que je prenne le bon nombre de tickets. Ok? Bon, maman, désolée, je suis fatiguée. Bon. Et c'est moi qui débarrasse. Super. Écartez-vous. Ouais, jaune, ça joue. Libérez-vous. Voilà. Très bien. Tu n'aurais pas vu mes affaires? Bah, je crois que je les ai emmenées. Où ça? Elles sont foutues dans les douches. Dans les douches? Mais qui ça? Bah, c'est bien. Vanessa. D'accord. C'est tes copains de classe là-bas. Bonjour. Bonjour madame. Tu veux pas aller jouer avec eux?